Salut l'équipe, c'est William Gauthier de la team Chaffreuil. Hello, c'est Sixtine Maquet. Salut, c'est Camille Droguet. Yo la team Chaffreuil 3-3, vous connaissez. On est la team Chaff. Et on est en route pour l'Open Plus d'Autun. Et c'est la maman de Sixtine qui nous conduit. Ouais. Wouh. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 3-3 FFBB, hein. Et merci chef. Ça c'est le 3-3 qu'on aime. Allez, venez avec nous. On va sur un terrain caché, faut pas faire de bruit parce qu'il est pas connu. Du coup, on va chercher Tonio à la gare Montparnasse. Il est déjà arrivé depuis 30 minutes, on est un petit peu en retard, mais on y va, tranquille. Allez, tout ce monde est sur moi. C'est toi, toi dans la maison. Ça va quoi? Tranquille ou quoi, bref. Moi, c'est Amélie. Marcel. Et moi, c'est Colline Franchelin. Donc, on est en direction d'Autun, arrivé à 21h30. 21h30, on est vraiment dans la campagne. Je sais mais pas on est perdu. Où c'est Autun, mais ça va être cool demain. Ok, 3. Wow. Allez, allongez-vous. Allez, là. Allongez-vous, dormez. Tu vas être en forme pour demain. C'est l'heure de se péter le bide, mec. Bien manger, ça j'adore. Après, ils vont voir. Moi, c'est en poule, je dis voilà, ils vont voir. Est-ce qu'on va obliger pas à porter le malheur? C'est minuit 30, on est en train de réviser les systèmes. On vous montre pas parce que c'est secret. C'est bon, ils viennent d'arriver au temps. Et on se rejoint demain à 8h30 pour le tournoi. Bye. Salut toi! Réveil matinal, petite séance stretching, méditation, tout ça à 6h. Non, je rigole. On vient de se lever. Du coup, bah, on est l'équipe Chaff, donc l'équipe masculine et féminine. Nous, les féminines, on rentre en lice aujourd'hui, puis les gars, c'est leur troisième tournoi. Donc, let's go. Hein. Théâtre romain, 1 rue de la Madeleine, je ne sais quoi. Ouais. Fermé, bon, bah, c'est annulé, les filles. Il vient, Jules, ou pas? César? Ah, allez, tu sors de la voiture, Sixtine, en tout cas, c'était sympa de faire un moment avec toi. Oh, oh là là, la sortie totalement ratée. Là, on va récupérer nos t-shirts et s'inscrire. C'est une grande première pour moi, donc je suis pas du tout à l'aise. Vous êtes comment on fait là? Ah, ils sont là. Du coup, on vient d'arriver sur le site de la compète. C'est magnifique. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bien joué Autun. Franchement, c'est un des meilleurs spots qu'on ait eu depuis le début de la Super League. Incroyable, mon ami. Quelle vue panamorique. Quelle vue panamorique. On a eu le programme, donc on essaye de voir un peu de ça. Je sais que les filles... on peut attendre à commencer, nous ensuite on a notre premier match à 11h45. C'est rose, j'adore le rose. Plan de colline, c'est bon, il y en a 4 dans l'équipe. Là on va changer. Donc on a monté notre association, ça fait quoi, un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais, 2 ans maintenant. 2 ans maintenant, donc on est équipe qui est sur le circuit de la Super League depuis par contre 5 ans. Et avec l'association, ça nous permet donc, grâce à la vie de Roy Malmaison qui nous suit, d'aller sur tous les tournois chaque week-end, de kiffer avec les copains. Et on a ouvert le projet équipe féminine depuis cette saison. Et on est super fiers, super heureux d'avoir une équipe ultra compétitive sur le circuit. Et en fait, nous, c'est avec les copines un peu de l'équipe de France avec qui on a fait la Coupe du Monde, on avait envie de faire la Super League. Et Chaff nous a contactés, donc c'est comme ça que c'est né. Et après, le projet, c'est d'aller à l'Open de France et... bah on a des grosses ambitions quoi. Je suis au téléphone avec ma maman. Bon, elle a fait un gros match, franchement, on est en 21 points. Elle demande des nouvelles, elle est inquiète pour son fils. Il y avait des frites, mais j'ai pas craqué. Du tofu. Et après je sais pas ce que c'est, mais c'est une assiette VG. Et un éclair au chocolat que je vais offrir à ma maman pour la fête des mères, ça sera son seul cadeau. Voilà. On joue notre quart de finale contre Last Minute. Donc concentré parce que bah c'est... Oui, dans... back home, c'est parti. On a bien géré, les filles en face elles étaient que 3 donc elles étaient un peu cramées. Mais nous c'était bien, mais là il fait trop chaud. Oh, vamos. Allez, game time, let's get it. C'est bon, c'est bon, c'est dur.
complètement déjoué, on n'a pas joué notre basket habituel. On s'est fait avoir, les mecs ont été à droite. On est en retard surtout en défense. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais ça nous fait prendre de l'expérience et on va essayer de se faire avoir comme ça sur les prochains tournois. Mais stop ! Ouais, mais encore heureux, ça. C'est important de s'hydrater sous cette chaleur. Voilà. Conseil de l'UNESCO, c'est quoi ce truc là ? L'IMS. Un truc dans le genre. Pour la finale de l'Open Plus 2021, Chafray pour sa première participation. Rendez-vous en finale. Finale. Ouais. Elles sont beaucoup trop fortes. On pourrait les inscrire dans le championnat masculin, je pense, direct. Bah là, je suis mélassé. On va s'échauffer et finale contre les mini Pinkies. Donc c'est une bonne équipe, donc il va falloir être sérieuse. Là, c'est la nouvelle génération. Let's go. Face à l'équipe des Pinky Juniors, c'est les espoirs de Charnay. Franchement, il y avait vraiment un bon niveau, c'était relevé et on a réussi à gagner. Donc c'était vraiment une bonne journée, c'était cool. Excuse-moi, t'as une cheminée chez toi ? Vraiment, c'est bien sec.